Vous êtes quasiment près de 40 000 personnes à me suivre quotidiennement sur mes réseaux sociaux et je vous en remercie. Et c'est pour ça que j'avais envie de répondre eh bien, à votre demande. Parce que je sais à quel point c'est compliqué d'être parent, à quel point c'est le rôle le plus important de notre vie. Mais à quel point en plus ça peut être totalement déstabilisant lorsqu'on fait face à un enfant dit différent. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis très heureuse de vous dire que enfin l'atelier que vous attendez tous est ouvert. Un atelier qui va vous aider en tant que parent mais aussi en tant qu'adulte à accompagner les enfants atypiques et ce dès la naissance jusqu'à leur adolescence. Cet atelier est également fait pour les parents qui ne savent pas si leur enfant est atypique ou non mais qui ne trouvent pas eh bien, dans la littérature ou auprès d'autres professionnels les conseils dont ils auraient besoin. Et parce que je sais à quel point il peut y avoir un écart entre théorie et pratique, j'ai souhaité m'associer à une sophrologue qui pourra vous donner des exercices concrets. La sophrologie, c'est une méthode d'entraînement personnel qui a été créée il y a plus de 60 ans par un neuropsychiatre et qui est basée sur des techniques de respiration, de relaxation, de mouvement du corps et de visualisation. Elle est très adaptable et dans le cadre de cet atelier, je vous propose des techniques qui vont pouvoir venir répondre aux besoins de votre enfant ou votre adolescent, comme par exemple apprendre à réguler son stress, apprendre à accompagner ses émotions, à améliorer sa concentration aussi, en renforçant ses capacités, ses ressources. Vous pourrez donc retrouver dans cet atelier plus de 23 jeux et exercices à pratiquer avec votre enfant, à partir de l'âge de 3 ans ou pour votre adolescent, et plus de 16 audios guidés qui correspondent à plusieurs séances de sophrologie. En bref, c'est un atelier complet pour vous, parents ou adultes, qui souhaitez développer le potentiel extraordinaire de votre enfant.